Bonjour à tous, aujourd'hui au programme du cardio, prévoyez une corde à sauter et si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez faire l'exercice en faisant semblant de faire de la corde à sauter, ça marchera également. Vous êtes prêts? Allez go, c'est parti! Allez, avant toute chose, on va s'échauffer, on va trottiner sur place. On en profite déjà pour bien relâcher les bras, car là, c'est l'échauffement, c'est cool. Et surtout, on respire bien. On inspire bien par le nez, on souffle par la bouche. Et on va rajouter les mouvements de bras. On inspire, on lève les bras bien haut. En soufflant, on les relâche. Encore. Inspirez bien en montant. Soufflez en relâchant. Une dernière fois. Allez, là, on va alterner talons-fesses. On pousse plus sur les appuis, on ramène le talon jusqu'au fessier. Et surtout, on gaine, on serre les abdos pendant tous les efforts que nous allons faire pour bien préserver notre dos et pour limiter les impacts. Allez, les talons fesses, ça continue. Respirez bien. Montez les genoux maintenant, bien haut. Allez, levez-vous bien les bras. Et on accélère la cadence. Et trottiner normalement. Respirez bien, relâchez bien les bras. Et attention, on va sauter. Hop. Je suis sûr que vous pouvez toucher le plafond. Pour ceux qui sont en intérieur, allez-y. Hop. Moi, je vais essayer de sortir du cadre. On est prêt? Allez, un dernier saut. Nickel. Eh bien, on est prêt. Maintenant, il n'y a plus qu'à s'étirer. On ramène le talon à la fesse. Sentez bien l'avant de la cuisse, les quadriceps. Puis, changez de jambe. Alors, pour l'équilibre, hein, fixez bien au point de repère visuel pour ne pas bouger dans tous les sens. La vision, ça aide beaucoup pour l'équilibre. Relâchez ensuite. On pose un talon devant, on ramène les orteils vers soi et on se penche bien sur notre jambe tendue. Là, c'est à l'arrière de la jambe, vous allez sentir les ischios, le mollet. Et changez de côté. La jambe est bien tendue, on ramène à fond les orteils vers soi. On se penche bien sur notre jambe. Je sens que vous êtes prêts. Allez, c'est parti pour le programme cardio. Go! Allez, prévoyez votre corde à sauter. On commence le programme cardio. Et si vous n'avez pas de corde, c'est pas grave, vous pouvez faire l'exercice sans, ça marche également. En place, prêt pour une minute. Allez, go, c'est parti. Une minute, on respire bien. On est gainé, on serre bien les abdos. Allez, courage. Associez bien le mouvement des bras avec les jambes. Encore, encore, encore. On en est à la moitié. On aura 30 secondes de récupération après. Allez, on s'accroche. C'est bientôt fini. Tout va bien, on s'accroche. Et stop. Relâchez, marchez un petit peu. Récupérez bien, calmez la respiration. Juste après, ça se passe contre un mur. On trouve un mur à pousser. Alors, je laisse le temps pour trouver le mur. Bon, généralement, il y en a un pas loin. Allez, calmez bien la respiration. Là, on va faire comme si on avait poussé le mur. On va vraiment agrandir l'espace. On pousse le mur le plus possible et on court contre le mur. Allez, go! Restez surtout bien droit, bien gainé.
Ouah, on est bien la jambe d'appui. Allez, encore. On lève bien le genou, vers le buste. On respire à fond. Ça va? On tient le coup? Allez, courage. De vous-même. Allez, c'est bien. C'est bientôt fini. Plus de 5 secondes. Et stop. Marchez récupéré. Bon, ça va, ça a l'air de bien se passer. Allez, on s'accroche. Juste après, on va enchaîner sur des sauts. Et avec ces sauts, on va utiliser les obliques. On va pivoter à chaque fois sur nos appuis. Mais on garde toujours un dos bien droit. Calmez bien la respiration. Inspirez longtemps. Soufflez longtemps. Allez, c'est parti. Allez, les sauts. On pivote bien les deux pieds dans le même axe. C'est sur une minute aussi. Et puis là, le drame, c'est qu'il n'y aura pas de récup. La fameuse récupération, on la fera en chaise contre le fameux mur. Et oui, ça va bien se passer. Allez, pivotez bien avec la taille. On en est à la moitié pour cet exercice. Alternez bien les pointes de pied, hein, de chaque côté. Allez, on pousse bien. Encore. Poussez fort sur vos pieds. C'est bientôt fini. Et prêt pour la chaise? Et bien attention, c'est parti, la chaise. Hop, on se met contre le mur. Le bassin à hauteur des genoux. Les genoux en angle droit, n'ayez pas les pieds en retrait. Et puis voilà, là on récupère. Ouais, on a le temps de récupérer. Calmez bien la respiration. Inspirez longtemps. Soufflez longtemps. Ce sera un dernier exercice. Ça va, tout va mieux? Un petit moment de chaise comme ça. En plus, vous avez le bruit des oiseaux. Ce que vous entendez, c'est mes oiseaux à côté de vous. Il y a les moineaux du Japon, les perruches. C'est pour vous faire passer la douleur de la chaise. Allez, courage, c'est bientôt fini pour la chaise. Et on va finir en beauté par 30 allers-retours en ayant les mains en appui contre le mur. 30 allers-retours en sautant, hein, en poussant bien sur les deux pieds. Ça ressemble au mountain climber, sauf que là, on est un peu plus haut. Allez, go en place. On écarte bien les pieds. Et c'est parti. 1, 2, 3. Je compte les allers-retours. Hein. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on gagne. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ça va, tu vas bien? 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Et ben voilà, c'est fini. Et ben bravo à tous, vous avez tout réussi. Vous êtes au top.